Mais il y a un plus gros défi chrétien pas qu'à lever. Mais il y a un plus gros défi chrétien pas qu'à lever. Frère Maxem, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour, bonsoir, salut, quel que soit côté où attendez enseignement ça au travers du monde entier. Donc, salutation très spéciale à petite et élève Saint-Esprit qui est dans l'école de Dieu en Jésus-Christ, qui est ce groupe là, qui est ce groupe WhatsApp là. Et salutation spéciale. Il faut commencer à saluer tout abonné, tout le monde qui habitué à attendre l'enseignement. Quel que soit côté dans le monde, ni monde, ni ça qu'on visage moi déjà, qu'on aime déjà, ni ça, moi-même tout, je ne peux pas qu'on aime et je ne peux pas qu'on aime non plus. Donc, je salue nous tous parce qu'on est là, nous venons former l'église ensemble. Bah ouais, nous venons former, nous venons faire partie du peuple bon Dieu ensemble. Même là, nous pouvons rencontrer, quel que soit côté dans le monde, dans le Canada, aux États-Unis, en France, quel que soit côté, en République Dominicaine, etc. Donc, en Haïti également, parce que j'ai un peu de en Haïti qui pas qu'on aime, il y a toujours plein d'enseignements, mais il y a beaucoup qu'on aime moins. Donc, je salue nous tous en Jésus-Christ et je veux prendre un petit temps très spécialement pour me dire nous mais nous en pile en Jésus-Christ. Donc, mes petits enseignements nous gagnent pour asseoir. Très spécialement, petits enseignements nous gagnent pour asseoir, Saint-Esprit pour former nous au travers de moi-même qui c'est micro, une fois de plus, qui c'est reporter. C'est Youn, mes titres là, c'est Youn a plus gros défi chrétien ou pas qu'à lever dans l'évangile. Youn a plus gros défi chrétien ou pas qu'à lever dans l'évangile. On prend une troisième fois. Mais Youn a plus gros défi chrétien ou pas qu'à lever dans l'évangile. Ça, c'est titre, leçon pour asseoir. Donc, qui défilé? Orgueil. Dans le langage courant, il y aurait des complexes. Donc, dans le langage quotidien, dans le langage de tous les jours, il y aurait des complexes. Mais la Bible dit orgueil. Eh bien, orgueil, c'est un plus gros défi. Je ne dis pas défi numéro un, non. Parce que je ne parle pas de la réserve. Mais je ne dis pas que c'est plus gros défi. Je ne parle pas de la réserve. Parce que y a une rancune tout qui est très fort, mais nous pouvons avoir rancune. Je dis après orgueil là. Orgueil c'est une plus gros défi pour me battre, c'est plus gros défi. Chrétien yo pas qu'à lever. Il est difficile pour joindre un chrétien, même un berger, un pasteur capable de lever défi ça. Orgueil là. Est-ce que vous comprenez? Orgueil là. Mes amis, ça a vrai, il faut faire effort pour lui. Parce que orgueil, c'est le premier péché qui sortit dans le ciel-là. Premier péché qui sortit dans le ciel-là. Serpent ancien, tu commets avant le serpent, avant le Satan, le diable-là, avant le accusateur-là. Eh bien, c'était le premier péché qu'il te commette. L'elle était chérubin protecteur selon Ésaïe 28, versets 16 et 17. Donc, c'est le premier péché. Ok? Chérubin protecteur là, te commette. Et nous connaissons déjà l'histoire, dis-nous ça. Ouais? Donc, premier péché, chérubin protecteur là, qui est les têtes, les jeudis à Lucifer là. Qui déguisait tête en ange de lumière là, premier péché qui existait, c'est l'orgueil. Yes, c'est l'orgueil. Donc, pourtant, premier péché qui existait sous terre, c'est désobéissance. Premier péché qui existait sous terre, c'est désobéissance. Ok? Par Adam.
Adam, Ève. Vous comprenez? Premier péché sous terre, c'est désobéissance. Mais premier péché, si mon cas dit dans l'autre genre, premier péché angélique, premier péché spirituel, c'est orgueil. Mais premier péché humain, premier péché charnel, c'est la désobéissance. Mais nous parlons dans l'orgueil pour aujourd'hui. Donc nous dit, j'ai noté dit dans le commencement et enseignement, l'orgueil, c'est pi gros défi pour me parler avec réserve, c'est un pi gros défi chrétien yo pas qu'à lever. Yo gan pile difficulté pour lever. Et qui pas bon? Parce que qui ça fait mon orgueil? Qui ça fait mon complexé? C'est tout vous trouver ou toi belle ou toi chelbe ou toi en forme ou gen trop belle couleur ou gen trop l'argent ou gen ou n'a trop luxe. C'est toute raison ça oui. Rien encore non. Ou gen trop richesse ou gen trop fortune. Donc qu'on y a là c'est ça qui fait l'orgueil et du diable. Nous connaît clair, il sorti du diable, du serpent ancien. C'est lui qui est premier commettre lui. Et c'est une raison qui fait il vient passer qu'on y a de la beauté parfaite selon Ézéchiel 28. Il passe de la beauté parfaite maintenant à la laideur. À la laideur la plus terrible, la plus horrible. Donc mes amis, c'est bagaille pour nous faire gros effort avec nous. Parce que moi-même avant qu'à parler là, moi-même c'est pas bon bon. Moi-même tout c'est un pile effort m'a fait. Donc faut nous faire un pile effort. Parce que sinon, c'est une raison qui fait dans 1 Jean 5 verset 19, parole bon Dieu dit le monde entier est sous la puissance du malin. Grand pile monde qui pas jamais fin comprendre verset ça. Parce que verset ça grand pile révélation là-dedans, une révélation qui est là-dedans. L'aide du monde entier sous la puissance du malin. Il y a une révélation. Malin, ça a symbolisé l'argent, cob. Il veut dire cob tout. Parce que, tendez bien, tant qu'on monde a plus cob, tant qu'il y a plus cob, c'est tant qu'il y a plus orgueil. C'est tant qu'il y a plus orgueil. C'est tant qu'il y a moins de valeur. Et c'est une raison qui fait Jésus dit, l'impossible. Il finit de dire difficile avant. Après ça, il dit l'impossible dans la parabole chamois là à Jésus-Christ. Où elle dit l'impossible pour mon riche sauver. Raison. Parce que l'argent fait mon gain trop orgueil. L'argent fait mon gain trop complexe. L'argent fait mon pas mon valeur. L'argent fait mon mépriser mon. L'argent fait mon humilier mon. L'argent fait mon pas capable à mon. L'argent fait mon pas qu'attendre les mon n'a pas la veille. L'argent fait mon quipé moun tupé qu'on dit m'pa konnen bon créole là si c'est quipé ou bien tupé mais l'argent fait moun comme si quipé même plus qu'a dit quipé a quipé moun est-ce que nous comprenons c'est l'argent fait donc généralement c'est la richesse la fortune et l'argent c'est ça qui fait bon Dieu pas riche nan kòb non bon Dieu pas riche nan kòb bon Dieu riche en gloire en beauté en bonté en miséricorde en compassion. Bon Dieu pas riche dans l'argent. Donc comme c'est pas enseignement nous ça sont notre enseignement nous pas pas là dans jodi a. Mais en passant me dit nous ça. En passant me dit tout monde qui attend enseignement ça bon Dieu pas riche dans corps, bon Dieu pas créer corps d'ailleurs. Selon la Bible, bon Dieu pas créer corps. OK? Donc c'est ça qui fait une raison qui fait un chrétien faut faire en pile prudence. Faut faire en pile prudence parce que selon la Bible et son autre sujet nous pas pas là dans nous mais c'est en passant n'a dit. Selon la Bible, un chrétien pas car riche. Un chrétien capable de moyen pour vivre, faire sauver. Vous comprenez? Parce que sous riche, on néglige bon Dieu. Et la Bible parle des chrétiens pauvres, tout parce que sous pauvre qu'on y a là, on a des mauvaises intentions, on peut faire scandaliser non bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc mes amis, font une pile. Parfois, nous tellement, on est là tellement fort la caille. Parce que il y a sous toute forme. Le par exemple au monde, au fond mon bagage. Ou connaissez ou fait le bagage là ou pas demander le pardon c'est orgueil ça sont notre forme d'orgueil
Ça, c'est une autre forme de manifestation de l'orgueil. Ou pas, ou fait mon nom, c'est ou fait. Et l'orgueil conscience, ou qu'on était pourquoi dire, ah, et mon fait le vrai, mon kato vrai. Mon pourri, ça va demander le pardon. Donc, sous poko, j'aime demander au monde pardon dans la vie, ou bien poko gen courage ça, ou poko ni converti, ni, depuis cette expression qu'on a dans l'évangile, qui faut venir. Quelqu'un d'autre, une autre créature dans Christ, ou pour gagner une. Exemple, ou pour convertir, ou pour repentir, ou pour régénérer, ou pour voir pour ta dire chrétien. Donc, ou pas qu'à dire chrétien, nous pas qu'à dire son petit bon Dieu, ou son disciple Jésus-Christ, non. Ou pas qu'à dire ça. Parce que, il y a des gens qui ne peuvent jamais faire ça. Il y a des gens dans la ville, la mi-koname, la fait une volée danser dans l'église, la prêcher tout côté. Fait miracle, mais pourquoi jamais demander au monde pardon, non? Il faut jamais craper devant le monde pour faire mon nom bagarre pour qu'il pour dire mando pardon, mais mon mot ça pas qu'à sortir. Il suppose qu'à sortir dans bouche. Sous ces petites bon Dieu vous gagne cet esprit bon Dieu donc il suppose qu'à sortir dans bouche. Mando pardon, moi mandé au pardon. Pardon, faut qu'a dit ça. Comment pas de problème si vous dire le français. OK? Je vous présente, je te présente mes excuses. Pas de problème, mais faut dire. Vous n'êtes pas. Bon, regardez, il y a des gens qui sont tellement exagérés, diable a tellement manipulé. Il y a des gens qui sont tellement dominé sur eux, sur la vie. Ils ont fait des choses là, malgré ce que vous faites lui. Non seulement ils ne peuvent pas demander pardon, et puis ils veulent pour les gens demander pardon d'elle. Ça a exagéré. Bon, les gens sont démons. Les gens possédés, ou mettre clair ou possédés. On monte comme ça, c'est posséder. C'est ça les possessions. Ça c'est une autre forme de possession démoniaque. Et posséder. Pour faire mon bagay, au lieu de le pardon, et puis qu'on y a là, ou monter corps, ou monter tête, et puis même que vous m'avez pardon, des soins faire, ça exagère. Vous m'avez fait prier avant. Ça c'est mettre genou à terre, faire prier pour vous. Non, c'est pas possible. Mettez genou à terre, et puis. Font petit bon Dieu prier pour vous parce qu'on a un gros problème au posséder. Et posséder, c'est des légions de démons qui sont là. Comme ça. L'homme fait un film pour mon bagage et puis après ça l'attend pour mon envie de demander le pardon d'elle. Et le plus fâché que mon nom. Oh, vous avez un gros problème. Vous avez parti de légion petit, vous avez des démons qui sont là. Vous avez besoin de pile prière, oui. Vous avez besoin de pile prière d'intercession, oui. C'est toujours des fois pour prier pour vous, oui. Mandez ça 24 sur 24, puis prier pour vous sans cesse, oui. Il n'y a pas de bon Dieu dit là. Faut qu'il courage de faire mon bagage pour demander le pardon. Pardon. C'est pas moi qui dis non. Allez dans Proverbe 6, verset 3. Proverbe 6, verset 3. Dis-vous ça même. Il dit qu'il faut demander mon pardon. Et Proverbe 6, verset 3 dit si vous ne demandez pas le pardon, je vais répondre sur tête. Est-ce que nous, nous faisons mon bagage ou pas demander le pardon? La Bible dit pour demander le pardon dans Proverbe 6, verset 23. Et il dit si vous ne demandez pas le pardon, aïe, aïe, aïe. Ou tomber sous pouvoir lui. Ou tomber ou sous domination lui. Il n'y a pas besoin de faire effort, non? Pour. Il y a un bon matichon, non? La Bible dit ou forme Koubeo, mandez le pardon. Fait des instances. Ça veut dire mandez le pardon. Koubeo, mandez pardon. Et pour moi, saute dans la bouche, mandez pardon. Mandez pardon pour samedi Dieu là. Mandez pardon pour samedi fois là. Faut qu'à dire. Sinon, pas marcher dit mon petit bon Dieu. Pas marcher dit mon c'est chrétien. Ou pas chrétien. Bon, il n'y a pas un qui fait plus effort parce que il n'y a pas un qui prend chance de dire au monde, ok, ça va, ok, ça va, ça va pas fait encore, etc. Mais il y a un chrétien qui peut dire ça même, non? Il y a un chrétien qui peut dire ça même. Ça veut dire, pas déguiser en chrétien, même genre, Satan le diable déguiser tête en ange de lumière. Il n'a pas fait ça. Il déguise tête en Lucifer. Puis il fait ça. Chrétien, pas fait ça. Ou chrétien, il faut montrer aux chrétiens. Et c'est lumière. Jésus dit les lumières brillent, les lumières ont côté, les lumières ont côté, tout le monde voit ses lumières. Ils mettent petit ou après. Ils mettent un petit briquet qui lui met. Ils mettent un grain à lui mettre au passé. Mais tout le monde voit bon lumière là, bon éclairage là. Ça veut dire. Il faut montrer le langage, le comportement. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, on fait effort. On fait un peu l'effort.
Est-ce que vous comprenez? Ou pas ka, donc ou pas ka chrétien pour dire mon chrétien en vont parler mien 25 ans, mien 30 ans, mien 15 ans, mien 10 ans depuis m'a fait l'évangile, depuis mon chrétien. Mais pourquoi j'aime mande mon pardon? Ou pourquoi j'aime mande mon pardon? Et bien on va tout mentir. Parce que mon pardon ba mon mentir, c'est tête ou ba mentir. Parce que l'heure on fait genre d'action ça, ou pense ou ba mon mentir, ou pense prendre mentir. Etc. Oui, il n'est pas omniscient, ou dit l'île de Will, d'accord, etc. Mais on a besoin d'un bon Dieu. Jugement en raide. On a fouetté, il a fouetté fort. Parce que les dieux dans Proverbe 6, verset 3, coubez-vous. Et ça qui doit là, dans Luc 14, verset 11, parole de bon Dieu dit clair. Moun qui baisse, de pour baisser, ou là, monter tête. Mais de pour monter tête. Ou fin faire mon bagay, ou monter tête ou met d'elle. La baisse. Gade la meto en bas tri fort trinate ou mande bon Dieu so fort pays ou non tout man gade extrême inexplicable on tout man insupportable. Est-ce que vous comprenez? Luc 14 verset 11, vous comprenez? Luc 14 verset 11. Donc quiconque s'élève s'abaisse. Et quiconque s'abaisse s'élève. Et bon Dieu qu'appelez vous. De pour baisser tête ou bon Dieu lève. De pour baisser bon Dieu monte. De pour monter bon Dieu baisse. Pas monter tête ou. Pas monter tête sur le monde. Nous pas rien. Moi m'avons nous pas rien. Moi m'avons nous pas rien. Moi même qu'à parler là, commencer sur moi. Rivé sur ou même qu'à attendre enseignement ça. Moi même avons nous pas rien. Si souffle là seulement, cet esprit te souffle dans nous dans Genèse 2 verset 7 là, qui fait nous qu'à camper sur le monde. Na monter tête nous sur monde, monter nez nous sur monde, troisième monde. Est-ce que vous comprenez? Ba mon réponse, ba mon toute traiter monde toute qualité non qui existait. Comment chrétien t'a fait camper pour traiter monde grapiaille? Comment chrétien fait camper pour traiter monde cocorate? Il pas gain sens. Ou pour chrétien. Paul ça pas gain droit sur dans bouche comme chrétien. C'est complexe, c'est orgueil là qu'il faut faire. C'est orgueil là qu'il faut traiter monde non ça yo. Orgueil. C'est orgueil, c'est tout vos trois hauts, monter tête tout trois hauts. Qu'il faut traiter monde tout non ça yo. Il pas bon. Il pas bon. Ça veut dire baisser pour mon Dieu qu'a monter. Parce que qu'est-ce que font mon Dieu orgueil? Je ne te dis pas tout vos trois belles. Ou toi en forme, ou toi frais, ou toi senti bon, ou habillé toi cher. Ou gen trop belle caille, ou gen trop caille, ou gen trop tête, trop terrain, trop bien, trop belle machine. Vous comprenez? Ou gen trop machine récente. Bon Dieu prend tout nan men. La fois perdu tout. Tant qu'on gagne ou a monter, ça veut dire ou a monter selon le 14 verset 11 et puis même la tant qu'on gagne ou a monter et puis la réduit dans sac à fogue là. Jusqu'à ce que toute lettre dans orgueil là elle est nette. Est-ce que comprenez? Tout jusqu'à ce que elle finale, I finale, E allé, I allé, vous comprenez? G allé, E allé, jusqu'à ce que O allé. Vous avez perdu tout net, parce que c'est eux-mêmes qui font, vous avez méprisé les gens ou pas les valeurs. Vous avez humilié les gens. Il faut faire attention. Il faut contrôler ça. Parce que tant que chez vous, bien protecteur, Satan le diable, avant Satan, soit lié Ézéchiel 28, clair ou après. Qui ça fait orgueil monter? Ézéchiel 28 verset 16 et 17 précise clair pour lui. Clair oui. Oui, il précise pour lui. C'est parce que il était parfait en beauté. Il était parfait en beauté. Vous comprenez? Il était parfait en beauté parce que bon Dieu dans bonté li dans générosité li. Ouais, dans générosité, c'est ça qui fait. Des bons chrétiens pas généreux chiche ou mangon bagay. Parce que papa ou pas chiche, pas pour l'âge, pas pour généreux, comment on fait chiche? Comment on fait chiche? Comment on fait chiche? Qu'on y a pour bon Dieu parfait en beauté et puis il crée un ange. Il crée un ange et puis qu'on y a là, il parfait tout. En beauté, pour bon Dieu faire le parfait en beauté. Est-ce qu'on a un niveau de générosité, bon Dieu? Nous-mêmes, nous ne pas gagner.
ou même l'orgon bagay ou toujours bat l'autre là pour gagner un inférieur à pour là ou pas jamais dire même bagay avant rien ou pas sous gon bagay ou ba on moun la gen moun l'el gon bagay la fait moun cadeau s'il gen deux li pa ba moun nan li pa ba moun nan sac pi belle là non la ba moun nan sac led là gen moun se l'el gon bagay chiré on gade chiré ba moun ni li gon soulier chiré ba moun ni gon sandal chiré pa besoin encore ba moun ni c'est comme ça gen moun ki pa jamais vle ba moun. Il y a que c'est pour que j'aime ba ou mon bagay neuf. Un bel bagay. Ouais, ça veut dire ouais, ou manque ou un problème, ou manque un bagay. Soit Ézéchiel 28 pour ouais, bon Dieu créer ange là, hein, chérubin protecteur là et puis il fait le parfait en beauté. Est-ce qu'au niveau générosité bon Dieu arrivé? Il sans limite, il sans frontière qu'on dit mon yo. Il incomparable. Incomparable, ça veut dire la Bible dit faut imiter papa ou faut chercher généreux et tout parce que générosité c'est un don selon Romains 12 verset 6 à 8. La générosité est un don. La générosité est un don selon Romains 12 verset 6 à 8. La générosité est un don. Donc faut chercher imiter papa ou. La générosité est un don. Mes amis, faut nous très prudent. Faut très prudent. Ou pas qu'à dire mon chrétien pour pas demander mon bado. Comment pas demander? Alors pas faire mon âme, pas faire. Et bon Dieu pas faire mon âme. Et bon Dieu pas faire. Moi même avant, c'est bien retourner oui. N'a fait mon bagage qui pas bon. Bon la Bible même d'où dit même de supporter faire bio. L'elle dit supporter faire bio, faut comprendre pas parole là oui. L'elle la Bible de supporter faire bio, comment ça veut dire? Ça veut dire même laisser mon nak fort demander le pardon. Même les efforts, mandé le pardon. Wow, laisse regarder. Niveau humilité multiplié en abondance. Mon a fait moins puis mandé le pardon. M'a fait là un autre fait moins puis mandé le pardon Midel. Yes, le ça au bon niveau d'onction dans wow. Bon Dieu faut gros grâce au niveau d'onction parce que souvent si onction pas haut, si niveau d'onction pas haut, on pas faire un bagage comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, ou après, c'est parce que ange là, t'es parfait en beauté. Vous comprenez? Bon Dieu t'es bal trop valeur, il t'es senti tête trop haut. Est-ce que vous comprenez qui fait orgueil montel qu'on y a là le ouais place bon Dieu assez lit pour gagner. Vous comprenez? Et ça fait ouais tenta ses péchés. Tenta, c'est péché. Quand dit mon yon nan créole la, ambition, c'est péché. L'oué sa moun nan gyan, c'est ou pou ta gyan, son péché. Gros péché. Il sorti directement dans Satan le diable. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui vient de passer. Quand y a li besoin de bon Dieu coup d'état. Mais ça, bon Dieu fait. Bon Dieu chute li. Vous voyez en bas? N'après ça, dans Ézéchiel 28. Et dans Apocalypse 12, verset 7. Parole de bon Dieu dit clair. Il dit Michel et ses anges combattirent avec le contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et dans verset 12, dans verset 11, l'Apocalypse 12, plus bas, dans verset 11, dans verset 7, là, il précisait Michel avec un jour, et lutter avec. Alors, battre un jour. Vous comprenez? Et puis dans verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aïe. Sans ça tellement de force, de puissance, de pouvoir là-dedans. Ouais. Donc ça veut dire, n'a marié, n'a pli Ézéchiel 28, et puis n'a pli Apocalypse 12. Marié ensemble, pour nous samedi. Vous comprenez? Et lit Proverbe 6, verset 3, après la Bible, mando, parole, bon Dieu, Saint-Esprit, mando. L'offre mon nom bagay, c'est pour couper devant le mandé le pardon. Et dans Luc 14, verset 11, les deux, de pouvoir monter tête ou la descendre, la baisse. Ça qu'a fait monter tête ou la retirer de la main. Parce qu'il y a un pouvoir, vous allez tout puissant. Bagay, il va faire. Et c'est là qu'on y a fait contraire, là, ou baisse, mettez juste à terre, mettez la tête ou pas rien, retirez le moi en haut et laissez mon diable monter haut. Luc 14, verset 11. Attention. Mes amis, faut nous très très prudent. Faut nous très très prudent. Faut nous prudent.
Parce que ou pas qu'à dire mon chrétien pour pas qu'à lever ce défi ça. Donc on croit à partir de jeudi, à partir de Aswea, il y a plus monde qui va faire effort pour lever défi ça. Donc c'est ça nous avons ensemble et Aswea, c'est ça Saint-Esprit te mettez sous que nous pour nous partager ensemble l'orgueil. Vous comprenez? Demander pardon, faut qu'à faire ça. Faut qu'à demander frère là-bas, faut qu'à demander soeur là-bas. Et demander chaque monde capitaine d'enseignement ça, quel que soit. Parce que c'est pas sans raison, non? Cet esprit révélé enseignement ça pour le fait. Ça veut dire bon raison. Bon monde qui concerne capitaine d'enseignement ça quand même. Bon monde capitaine d'enseignement ça ou concerné. Moun ou wè ou gen problème avec qui sous cœur là. Retirer sous cœur pour offrir yo ka béni, pour di mou yo ka béni, pour prier yo ka exaucer, pour louange ak adoration bay bon Dieu yo. Yo capable river dans oreilles. Gon moun kapten enseignement ça qui gon moun sou kèl. Donc quand même moi-même m'pa omniscient, m'pa prescient. C'est bon Dieu omniscient, c'est lui prescient. Mais bon Dieu pas jamais bay message au hasard ni par hasard. Attention. Ça veut dire quel que soit moun kapten enseignement ça, quel que soit élève Saint-Esprit qui dans l'école de Dieu en Jésus-Christ. Et quel que soit abonné sur YouTube, capitaine d'enseignement, ça, allez faire ça. Moun, ou qu'on est, ou t'es blessé, à parole dans la bouche, moun ou t'es blessé, avec action t'es posé, allez demander le pardon. Selon Proverbe 6, verset 3. Et bon Dieu, montez tête, selon Luc 14, verset 11. La paix, bon Dieu, baille là, avec nous, tout capitaine d'enseignement, ça. Que Saint-Esprit, mon Dieu, déracine tout type d'orgueil qui est dans moi-même avec vous. Tout type d'orgueil. Parce que moi-même, quand je parle à tout, je suis un type d'orgueil qui est dans moi. Donc, je demande, mon Dieu, commencez sous moi pour le retirer, pour le déraciner tout type d'orgueil et pour le brûler avec feu dévorant là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut apprendre à demander pardon. Alors moi-même, bien entendu, j'ai fait gros effort moi-même, demander pardon, oui, plusieurs fois. Et moi-même fait ça. Ya, faut battre tout défiant. Vous comprenez? Battre tout défiant puis pour lever encore. Est-ce que vous comprenez? Faut battre tout, faut faire exercice. Ça, c'est un exercice. Faut faire exercice ça. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui bagarre ou sent tu dis au monde et puis qu'on y a là, vous demandez le pardon. Ah, demande pardon. Faut être conscient pour demander pardon. Soit dit la phrase, c'est pas qu'un problème, je te demande pardon, je te demande pardon, je vous demande pardon. Si on vous voit la personne, il n'y a aucun problème, mando pardon, faut qu'à dire comme ça, mando pardon, faut qu'à dire. Automatiquement, on dit, depuis qu'on a l'autre dimension, ou qu'on a l'autre dimension, qu'à développer en dedans, on a l'autre dimension d'humilité qu'à développer en dedans, mando pardon. Waouh! Automatiquement, on fait ça, et puis qu'on a l'autre dimension, automatiquement, ou comme si, on grandit en humilité, on grandit en maturité. Parce que ça fait partie de maturité spirituelle là. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie de maturité spirituelle là. Donc mes amis, la paix de Jésus-Christ ben là avec nous. Que Saint-Esprit bon Dieu, qui c'est un feu dévorant, qui sont épée à deux tranchants, décapité tout pire orgueil qui dans la vie moi-même avec vous. Et mon capitaine d'enseignement ça, je le redis, m'a prédit encore. Mon qui sous cœur là retirer. Et si pour demander le pardon, ou mettre demander le pardon. Puis quand il a fait style là monter tête lui. Non, pas fait ça. Pas dit la fait style, il va faire style sur la monter tête lui. Attention. C'est sûr que grand monde m'a parlé avec le capitaine d'enseignement ça. Attention, pas fait têtu. Vous comprenez? Sous tendez voix cet esprit, je dis là, c'est pas voix moi attendez. C'est la voix, toujours prendre exemple ça. L'obtenir au micro, c'est pas micro qui parle, pourquoi moi son micro? Tout simplement micro. L'obtenir au micro, c'est pas micro qui parle, pourquoi? Son monde qui parle dans micro. Et bien sous-tendez, voix cet esprit qui parle à travers micro ça qui c'est moi-même pas faire désobéissance selon Hébreux 9. Alors, selon Hébreux 4, pardon, selon Hébreux 4. Selon Hébreux 3 et 4. Sous-tendez voix cet esprit qu'a pas la voix aujourd'hui, au travers de moi-même, qui c'est micro, pas fait sous l'oreille, pas fait tête dessus. Selon Hébreux 3
et 4. À faire les trois après ça. Donc, la paix Saint-Esprit, bon Dieu, va là avec nous. À demain, si Dieu le veut, pour un prochain enseignement. C'est ton courtoisie, école de Dieu en Jésus-Christ, de concert avec l'Église de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Pas oublier, partager enseignement ça. Pour l'autre monde qui a le même problème, l'autre monde qui a le même problème d'orgueil ça, l'autre monde qui a le même problème pour demander pardon ça, pour capable bénir au travers de vous-même. Ya, la bénir au travers de vous-même. Bon Dieu, bénir mon au travers de vous-même. Et vous avez une récompense. La paix, bon Dieu, à vous. Moi, je vous remercie en Jésus-Christ. Bye bye.